C'est un sujet délicat, je sais. Je partage simplement avec vous une solution que je trouve intéressante parce qu'elle est sélective, elle ne piège que les frelons asiatiques. Elle fonctionne au printemps, elle permet donc de piéger des fondatrices. Elle n'utilise aucun produit chimique et n'a donc pas d'impact sur la biodiversité. Bonsoir les amis de la nature, je voulais partager avec vous mon expérience des pièges contre les frelons asiatiques pour vous montrer un piège sélectif comme je l'ai conçu avec l'aide de mon ami Guy. Guy, merci beaucoup pour tes talents. Voilà, histoire de vous montrer comment ça fonctionne. Et puis ben, pour le coup, c'est plutôt très efficace, 100% sélectif jusqu'à présent. J'en ai installé une quinzaine. Voilà. Alors concrètement, voilà comment ça marche. À la base, c'est une boîte avec un couvercle. Alors ici, c'était à l'origine une boîte avec un couvercle en plexiglas. On peut avoir un couvercle en bois, il n'y a pas de souci. Je vous conseille de peindre ça pour que ça puisse résister dans le temps. De chaque côté, on a un cône Jabé Prod. Donc ça, c'est des cônes que j'ai achetés. Ça coûte pas très cher et ça a l'avantage de rendre le piège vraiment sélectif. Pourquoi? Parce que vous voyez, les petits trous qui permettent, si des abeilles rentrent par exemple, qu'elles ressortent. Et là, hop, là vous avez le trou d'entrée qui est calibré à la taille des frelons asiatiques, ce qui fait que les frelons européens et les bourdons, par exemple, ne peuvent pas rentrer. Donc ça, c'est plutôt pas mal pour que le piège soit vraiment sélectif. Alors ensuite, à l'intérieur, vous voyez dans le plancher, il y a trois trous qui sont percés avec un petit grillage pour que l'appât ne soit pas accessible aux insectes. Donc ça va permettre de faire en sorte que les insectes soient piégés, mais qu'ils ne tombent pas et ne meurent pas directement dans le sirop. Alors en dessous du piège, en dessous des trous, donc il y a la petite grille, et puis ici est attaché en fait trois pots de confiture. Dans chaque pot, on peut mettre l'appât. Ici, au printemps, on va mettre un appât sucré, sirop, bière, vin. Plus tard en saison, s'il y a des frelons asiatiques, on pourra alterner et y mettre aussi des protéines, des déchets de poisson, etc. Vous voyez en dessous, le couvercle de chaque pot a été découpé. Comme ça, on peut ben, tout simplement revisser l'appât en dessous du piège, et donc la grille empêche tout passage des insectes. Alors est-ce que le piège marche? Ben, j'ai l'impression que oui. Frelons asiatiques, deux autres frelons asiatiques, donc il y en a trois, il y en a même un quatrième si j'ai bien vu tout à l'heure. Voilà, donc ils sont piégés. Alors je sais, c'est pas cool, j'aime pas faire ça. Quelque part, j'ai rien contre eux, au contraire. Mais le problème que j'ai, c'est que derrière, ils sont pas du tout ici à leur place, quelque part. Et au contraire des frelons européens, ils posent de gros problèmes aux abeilles. Ils sont aussi potentiellement dangereux pour nous. Les frelons européens, je n'y touche pas. Au contraire, je les préserve. Ils vivent avec nos abeilles depuis plusieurs millions d'années. Et quand ils attrapent des abeilles, ils ont tendance à attraper des abeilles qui sont en fin de vie. On a donc un recyclage naturel, on va dire, tandis que les frelons asiatiques, eux, ne fonctionnent pas du tout de la même manière. Je voulais simplement vous montrer ceci pour favoriser la mise en place de pièges sélectifs. C'est vraiment très important pour éviter qu'on se retrouve avec des pièges qui vont capturer tout sauf les frelons asiatiques et donc encore augmenter le problème et en plus de ça, avoir un vrai impact négatif sur la biodiversité. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Pour le moment, je n'ai piégé aucun autre insecte que des frelons asiatiques, plusieurs dans chaque ruchet. J'espère que ça aura un impact positif.